parce que certainement que vous, les médias, vous avez pas un coach qui a le sourire tous les jours à l'entraînement, donc ça vous gêne. Nous, ça nous gêne pas particulièrement. On bosse bien avec lui, on est content. Dans le vestiaire, il y a vraiment une bonne ambiance, sauf que vous avez des résultats en dents de scie. Donc forcément que vous cherchez des problèmes ou peut-être il n'y en a pas. Donc vous appuyez sur... mais forcément, il y a des problèmes dans le vestiaire, il va y avoir des problèmes avec l'entraîneur, il va y avoir des problèmes... Et ça, voilà, moi, ça fait 13 ans que je les entends. Donc il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est simplement qu'aujourd'hui, mettez-vous en tête qu'on n'est pas assez performant pour accrocher plus haut que ça, c'est tout. On est moins fort que les autres années, mais je trouve qu'on a un effectif de qualité pour au moins accrocher cette quatrième place, et c'est déjà bien. Voilà, il faut être juste réaliste et pas essayer d'arrêter d'inventer des choses ou d'inventer des problèmes où il n'y en a pas. Voilà. Ouais, ça vaut le coup d'être européen. Moi, j'en suis persuadé. Voilà. Parce que je joue moins aujourd'hui que j'ai eu la possibilité de faire quelques matchs. Donc je veux dire que ça vaut le coup. Non, mais ça vaut le coup, ça fait toujours des bons matchs, des bons trucs. Après il y a débat toujours sur cette coupe. Oui, on la joue pas à fond, oui, ici, oui, là. Si on la joue à fond, qu'on perd des matchs en championnat, oui, mais vous êtes pas bon en championnat. Mais oui, c'est parce qu'on laisse de l'énergie en truc. Mais oui, il faut la jouer, pas la jouer. Ah, c'est bon, quoi. À un moment donné. Est-ce que c'est plus facile de reconstruire sans Coupe d'Europe pour l'année prochaine? Ben, franchement, non. Est-ce qu'il y aura reconstruit? Non, mais non, je suis pas d'accord. La Coupe d'Europe, c'est toujours intéressant. Moi, j'ai joué pratiquement deux années sur trois, et je vous assure que c'est très intéressant. On préfère jouer des matchs que s'entraîner, ça je vous le garantis. Et pour un effectif et un club comme Bordeaux, c'est très important. Voilà. Moi, je suis joueur, j'adore jouer cette Coupe. Et voilà, ça permet de donner du temps de jeu, ça permet d'avoir plus de concurrence et ça permet d'avoir des fois de beaux matchs en Coupe d'Europe. Des moins intéressants, certes, mais des beaux aussi. Donc voilà, c'est pour ça que moi je trouve que c'est important. Et c'est pour ça qu'on va tout faire pour l'accrocher.